Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous pouvez sortir vos affaires de vos cartables. Oh. Vous allez avoir besoin de votre stylo, de votre livre, de votre cahier et de votre agenda. Allez, pendant que vous préparez tout ça, je note la date du jour au tableau. Donc, nous sommes lundi 7 octobre. Alors, est-ce que vous avez bien appris votre leçon pour aujourd'hui? Il y a une leçon à apprendre. Oui, il y avait une leçon à apprendre, monsieur Néo. Une leçon sur le prétérit. C'est quoi le prétérit? Prenez vos livres, nous allons réviser tout de suite. Allez, allez, on se dépêche. Page 35. Puisque vous n'aviez pas appris votre leçon, vous allez le faire dès maintenant. Ah. Allez, pendant ce temps-là, je vais corriger les copies de l'interrogation écrite d'hier. Concentrez-vous surtout, je ne veux pas de bruit, hein. Alors, voyons voir. Mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire, là? Ah, mais c'est faux, ça. Ah non, mais alors, pas du tout, c'est pas ça du tout. Oh, là, 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 là. Bah alors, Swan, qu'est-ce que tu racontes? Swan. Mais j'étais bien venu manger un Pringles. Mais non, je vais sûrement confondre avec ma trousse Pringles. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Néo? Une boîte de Pringles en classe, c'est interdit, hein? C'est ma trousse de Pringles. Une trousse de Pringles? Une trousse qui contient des Pringles? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est une trousse qui contient des stylos, mais elle est décorée en Pringles. C'est une trousse? Oui, une trousse. Ah oui, effectivement. Pratique. Effectivement, il y a une fermeture éclair. Ouais. D'accord, donc c'est une trousse. Ah bah alors, c'est ça. Swan. Bah, monsieur Swan, faut se réveiller un peu, hein. Ah bah Swan alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lundi, c'est difficile. Il y a des chips quand même. Oh, petit mirage. Écoute, on n'a pas vu de chips, Swan. Ouais, hein. Pas Swan. De Pringles à l'horizon, juste une trousse. Hein. Attention Swan, hein, ce n'est pas bien de rapporter des choses qui n'existent pas. Hein. Attention. Hein. Bon, reprenons. Remettez-vous sur vos exercices, tout de suite. Allez. J'ai survécu de près celui-là. Les garçons, vous pouvez changer de page maintenant. Allez, page suivante. Madame. Qu'est-ce qui se passe, Swan? Néo est en train de manger. T'es sûre cette fois-ci? Oui. Et alors que tu es sûre? J'ai vu une barre de chocolat. Néo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, madame, mange pas de chocolat en classe. Mais j'ai vu une barre de chocolat. Attention, Néo, il est interdit de manger en classe, hein. Non, mais tu dois confondre avec mon carnet de chocolat. Qui a mangé ce petit bout? Mais c'est du plastique. C'est quoi fait ça exprès. Du chocolat? Tu emmènes du chocolat dans... Non, c'est un carnet chocolat. Où j'écris une petite note. D'accord, donc en fait c'est la couverture qui ressemble à du chocolat, c'est ça? Oui, d'ailleurs j'ai profité pour mettre des notes sur ce cours qui était passionnant, clairement, j'aime beaucoup. Ok, mais alors Swan, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Swan, ça fait deux fois déjà. Ouais, franchement, là, ça fait. La barre de chocolat était plus entamée que ça. Non mais Swan, tu vois bien que ce n'est pas du vrai chocolat enfin. C'est seulement ton imagination. Swan, ça suffit, hein. Ça fait deux fois que tu perturbes le cours avec des histoires de Néo qui mangerait en classe. Et ça, tout à fait, tu déconcentres ton camarade. Ce n'est pas bien du tout, Swan. Hein. Attention, Swan. Hein. Bientôt un mauvais point pour le comportement. Hein. Attention, hein, jetez à l'œil. Hein. Bon, Néo reste concentré, c'est très bien de vouloir prendre des notes. Merci. Très bien. Allez, on continue. Bien, bien, bien. Les garçons, vous pouvez changer de page maintenant. Allez, page suivante. Madame, madame!
Oui, qu'est-ce qui se passe, Swan? Néo est en train de manger, il a pas rendu. Pardon, Swan, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il veut manger des macarons. Des macarons? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'importe quoi. Attention, Swan, hein, si je me lève de mon bureau et que ce n'est pas vrai, ça va très mal aller pour toi. Hein. Ça sera un mauvais point de comportement. Hein. Tu es sûr de toi? Oui, je suis sûr. Tu es sûr que je me lève? Tu es sûr que je me lève? Oui. Alors, Swan, tu es sûr cette fois? Néo, tu sais qu'il est interdit de manger en classe. Mais madame, c'est juste qu'est-ce ma boîte de gomme, macaron. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des gommes. Des gommes, ça? On dirait des macarons, vraiment. Mais ne les mangez pas, ce sont des gommes, regardez. Mais effectivement, ce sont des mini-gommes. Hein. Ah, on dirait vraiment des macarons. Swan, tu t'es donc encore fait avoir. Oui. Swan, ça suffit, qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, très bien, Swan, 10 mauvais points de comportement. Alors là, vraiment, tu ne l'as pas volé, hein. Ouais, franchement, là, tu le mérites bien, Swan. En plus, moi, je suis concentré, là, ce cours est passionnant. Tout à fait, tu rates une chose, là, tu rates un cours super intéressant, là. Exactement, vraiment, ce comportement est inadmissible, Swan, hein. Hé, rends mes gommes, en plus, il me vole mes gommes. Oh là là, Swan, ça, attention. Ça, c'est une grosse punition. Swan, veux-tu une heure de colle? Non. Bon, 10 mauvais points pour Swan. Bon, ça m'a bien agacé cette histoire. Swan a été 10 mauvais points, là vraiment je n'aime pas ça. Vous prenez vos cahiers de texte et nous allons passer à la leçon de mathématiques. Allez, c'est parti. Nous révisons les tables de multiplication. Allez, on s'installe. Comment il est écrit? 382 multiplié par 58. Madame, c'est trop facile, vous pouvez pas nous en faire des plus difficiles. Au revoir. Quelle bonne élève ce n'est. Allez les enfants, allez, je reprends mes corrections. J'adore votre cours, madame. Je le savais. Le premier qui a fini de résoudre son exercice me prévient. Madame, qu'est-ce qui se passe, Swan? Léo est pour classe. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Comment ça? Ça, par contre, c'est vrai, c'est... tu nous as déjà dit 3 mensonges, Swan, quand même, hein? Donc, est-ce que si tu es sûr de toi? Je donne ma langue au chat. Quelle langue au chat? De quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as bu? Néo, il a bu en glace. Il a bu un verre d'eau? Non, du Vous coca. Vous avez le droit de boire de l'eau. Du coca. Mais... du coca en classe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment Néo aurait-il pu amener du coca en classe? C'est n'importe quoi. Bah, dans son cartable. Bon. Le moment où il a toussé, il y a un masque à bruit et j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais vérifier. Attention, Swan. Si je me lève pour rien, c'est 2 heures de colle, hein. Tu es sûr de toi? Oui. Je me lève. Attention, hein. Alors, Swan, cette fois-ci... ah. Oh, Néo. Alors là, par contre, Néo, c'est bien une canette de coca, hein. Là, Swan a raison, hein. Tu sais que c'est interdit dans l'établissement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais, madame, oh, regardez. Regardez par vous-même, mais... qu'est-ce que c'est? Madame, regardez, c'est juste un pot à trombone. Un pot à trombone? Mais c'est quoi cette histoire, hein? C'est regardez. Quoi, what? Oh, mais c'est juste mais pourtant, j'étais pourtant vu boire dedans et ouvrir. Franchement, tu dis n'importe quoi, Swan. T'as couvert le bruit. Je comprends rien ce que tu dis. Swan, dis n'importe quoi. Pour mourir. Et en plus, tu rajoutes un stress, c'est n'importe quoi. Tu mens encore une fois. Swan. Franchement, là. Swan, c'est 2 heures de colle. Là, quand Swan, moi. Vraiment, là, c'est plus possible. Tu as eu 10 mauvais points tout à l'heure, là, c'est 2 heures de colle. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Insupportable, Swan. Tu persécutes ce pauvre Néo. C'est inadmissible, Swan. Tu te retournes de l'autre côté. Voilà, tu arrêtes de perturber Néo, vraiment. Oh là. Inadmissible. C'est vrai qu'il est très très bien fait quand même. Merci. Son point, hein. Très joli. Bon. Reprenons. Vraiment, Swan, je suis tellement déçue par ton comportement. Tu n'es pas trop stressé, Néo, du coup, par ton camarade? Bah, il dérange quand même beaucoup, je trouve. Il me semble aussi, hein. Vous allez prendre vos agendas, maintenant nous allons marquer les devoirs pour la semaine prochaine. D'accord. Monsieur Swan. 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 Tu prends ton agenda. Ouh, que tu es dissipé aujourd'hui, hein. On prend l'agenda en note pour la semaine prochaine. Allez, allez, les enfants. On note. Oh, j'espère qu'on aura beaucoup de devoirs. Non, cher Néo. Allez, on note les devoirs. Bon, maintenant que vous avez noté les devoirs, yes. Vous reprenez vos livres. Nouvelle leçon. Allez, cette fois-ci, leçon yes. d'anglais. Votre livre en page 90. Allez, tous les deux. Allez, page 90.
ça sera la dernière leçon d'aujourd'hui. Donc, vous lisez attentivement les deux pages. Ah, désolé, Néo, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Vous lisez attentivement les deux pages et tout de suite après, je vous interroge sur la leçon. Madame, madame! Qu'est-ce qui se passe encore? Yann, j'étais en train de manger des noulettes! Quoi, quoi? Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. J'étais en train de manger des noulettes. Swan, attention, hein. Tu as déjà 2 heures de colle, tu es sûr? Swan, si je me lève pour rien, c'est le bonnet d'âne. Tu as bien compris? C'est le coin. Tu as compris, hein? Oui. Tu es sûr de toi? Oui. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi cette histoire de donuts ou je sais pas quoi, là? Il y avait plusieurs donuts dans la voiture, il n'y en avait pas qu'un. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un vrai donut, effectivement. Fais voir, mais ne l'écrase pas comme ça, comme si c'était une pâtisserie. Attends. Mais Swan, enfin, ce n'est pas du tout un donut, regarde. Oui, en fait, c'est un squishy, c'est pour me déstresser quand Swan me stresse pour les exercices. Quoi? Bah, en fait, avec Swan qui m'embête beaucoup, j'ai un stress maintenant. Est-ce que tu te rends compte, Swan, de ton comportement? Regarde, Swan, c'est simplement un anti-stress, c'est un squishy. Pour le pauvre Néo, parce que tu le stresses trop. Mais moi, je veux toute une boîte de nuts. Bon, Néo, vraiment, je suis confuse que tu sois stressée comme ça par ton camarade, vraiment. J'envisagerai un changement de place dès demain, je pense. Merci beaucoup, madame. Ouais, vraiment, moins que je puisse faire, vraiment. Je suis désolée pour toi, mon petit. Bon, vous reprenez la leçon d'anglais. Allez, Swan, voilà ce que c'est de dissiper ses camarades. Tu as perdu ta page. Tu te remets page 90, tout de suite. Vraiment, quel mauvais comportement, cet enfant. Allez, page 90. Bon, lui, il m'a donné super faim. Et puisque visiblement on peut faire ce qu'on veut, moi aussi je vais manger en question. Ah. Je vais prendre mon goûter en avance. Madame, madame, madame! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce Swan mange des gâteaux en classe. Quoi? C'est un scandale. Quoi? Swan, franchement, là. Swan, c'est inadmissible. Tu sais qu'il est interdit de manger en classe. Regardez ce goinfre en classe pendant que moi j'essaie de travailler. Oh, alors cette fois-ci, Swan, tu as dépassé toutes les bornes. N'importe quoi. Tu as accusé à tort ton petit camarade depuis ce matin. Et en plus, tu te permets, toi, de manger en classe. C'est le bonnet d'âme. Tout de suite, tu pars au fond de la classe. Allez, immédiatement. Pose-moi ce gâteau. Mais vraiment, oh là là. C'est pas con. Mets ce bonnet d'âme immédiatement. Bonnet d'âme est au coin. On se dépêche. Oh, quelle déception. Cette journée se passe bien mal, hein, vraiment. Néo, puisqu'il ne reste plus que toi, tu reprends le livre. Page 90. Allez, s'il te plaît, un peu de concentration. Swan, tu rattraperas ce soir. Hein. Tant pis pour toi, tu auras plus de devoirs. Vraiment. Swan, il en peut plus. Il voulait seulement manger des Pringles de vie tout à l'heure. Bonjour, je suis votre nouveau professeur, Monsieur Néo. Voilà. Bien, nous allons commencer par travailler les multiplications. Combien font 2 fois 3? Mademoiselle Sophie? 6, Monsieur Néo. Très bien. 5 fois 5? Mademoiselle Sophie? 25, Monsieur Néo. C'est très bien. Et maintenant, un petit peu plus difficile. 1 fois 1. Ah bah, Mademoiselle Sophie, encore une fois. Hein. Ça fait 1. Ouais, bien joué, très bien. 2 x 8. Ah, bon bah. Bon allez, mademoiselle Sophie. 72 72 oui. Très bien, 20 sur 20. C'est mérité. Je vais tout de suite noter mon 20 sur 20 dans mon carnet. Voilà, 20 sur 20, comme d'habitude, en multiplication.
Voilà. Bien, maintenant, prenez la page 75 du livre et vous allez apprendre la leçon. Je vous interroge dessus dans 30 minutes. J'ai trouvé. Voilà. Monsieur Déo ? Oui ? Monsieur Déo, il y a Swan, il mange en classe ! Il mange son tube de colle zuzustique, jaune, et même il pousse la colle et il mange. Monsieur Swan, c'est strictement interdit de manger dans l'établissement. Ça va avoir une grosse punition, attention. Non, c'est pas une nourriture, c'est des colles. Bah. Et personne ne mange d'alcool. Mais, ah oui ? Mais... Personne n'a pas mangé ? Mais je vous assure, Monsieur Déo, c'est... Je l'ai vu, il mangeait la colle, je l'ai vu. Il en a mangé plein, il a croqué dedans, je l'ai vu. Bah pourquoi il n'y a pas de crainte dedans? Attention mademoiselle Sophie, si ça te reproduit, ça va très mal se passer. Bien, à présent nous allons reprendre la leçon. Comment ça, il mange une crêpe en classe? Je vais voir ça tout de suite. Alors Swan, on mange une crêpe en classe? Mais c'est pas une vraie crêpe, regarde. Pourquoi ça? Oui, ça a vaguement une ressemblance de crêpe, on mais... On a une moins ma trousse, monsieur Léo. Oh. Regardez, vous voyez bien que c'est une trousse. Bah oui, non. Mademoiselle Sophie, vous racontez vraiment n'importe quoi, hein. Mais je vous assure, je l'ai vu manger la crêpe. Ouais. Je l'ai vu manger la crêpe. La prochaine fois, c'est 2 heures de colle. Bon, silence maintenant. Révisez, parce que vous avez une éval juste après. Monsieur Néo, il y a Swan qui mange. Et là, il mange un bonbon, et même je connais ces bonbons, c'est Ice Tea Pêche le parfum. Je suis sûre que vous pouvez venir, il est là, regardez, il mange, regardez, il a la bouche pleine. Attention, hein. Si, je vous assure. Alors, c'est quoi cette histoire de bonbon? Oh, mais monsieur Néo, j'ai jamais mangé de bonbon. Bien sûr. Et c'est quoi ça? Oh, c'est... Mais... Ce sont des cils. Donnez-moi ça. Ce sont des cils. Attention. Monsieur Swan, arrêtez tout de suite. Oh, monsieur Néo. Vous allez avoir 2 heures de colle si vous continuez. Et monsieur Néo... Alors, qu'est-ce que c'est, ces fameux bonbons? Regardez ça tout de suite. Quoi? Mais... Ah mais... C'est pas bon, mais... Monsieur Néo, Madame Sophie confond sûrement avec Monsieur Higner. 2 heures de colle. Oh non, pas 2 heures de colle. Franchement, c'est décevant, hein. Vous étiez une super élève. Il ne reste plus que 5 minutes pour réviser. Après, il y aura l'évaluation. S'il vous plaît, Monsieur Néo. Quoi encore? C'est quelle page? 130. Merci, monsieur. De toute façon, je t'ai vu. J'arriverai bien à te coincer, va. T'inquiète pas. Je prendrai ma revanche. Faites-moi voir ce Oreo. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous avez vu? Mais monsieur, c'est pas un Oreo. C'est simplement une carnet de notes. Carnet de notes? C'est bel et bien carnet de notes. C'était pas du tout ça. C'était pas le même. Il était plus petit, il était noir. Et bien sûr. Et il en mangeait et...
Mais si, je l'ai vu. Si. Bonne journée, si. Sophie. 4 heures de vol. Je suis double bosseur. Moi qui n'ai jamais eu d'heure de colle. Interrogation. Fermez les livres. Monsieur Swan. Vous allez conjuguer le verbe écouter à la deuxième personne du pluriel au plus que parfait. Bon, bah, allez-y, mademoiselle Sophie. Hein. Oh non, pas moi. Non. Bah, vous ferez la maligne, donc allez. Que vous eussiez écoutasse. Que vous non. Écoutassiez. Mais concentrez-vous, que... enfant. Vous. Ça. Vous a écouté? Vous. Non, franchement, vous saviez écouter, c'est pas possible. Bon, à présent, le verbe attendre. À la première personne du singulier, au subjonctif. Oh. Bon, monsieur Swan. Je sais pas. Franchement, une plaisanterie. Vous avez pas appris votre leçon? Ça va très mal se passer. Déjà, 0 pour mademoiselle Sophie. Quoi? Et 0 pour monsieur Swan. Voilà, bravo. Allez, vous avez intérêt à la réviser. Je suis gentil, je vous refais une interrogation dans 2 minutes. Dépêchez-vous. Monsieur, il y a Swan qui mange une sucette. Il a un bâton dans la bouche. Une sucette, hein? Ouais, c'est une sucette, c'est sûr. Il y a un truc qui dépasse là. C'est sûr, il mange une sucette. Là, je suis sûre. Regardez, en plus, il a le papier. C'est une sucette. C'est une sucette, monsieur. C'est une choupa choup. Elle a la fraise et la crème. Encore une fois. Non. Vous avez lavé toute la classe. Regardez, monsieur. Regardez, c'est bien une sucette. Regardez, une vraie sucette à la fraise. Voilà. Ça y est. Ça y est, vous allez pouvoir constater qu'il mange en classe. Depuis le début, je le dis, il mange en classe, vous ne m'écoutez pas. Regardez. Mais attendez, on dirait pas que c'est une sucette. C'est pas la même matière. Monsieur Swan, qu'est-ce que c'est? Une gomme. Une gomme? Monsieur Léo, regarde. Bah, mademoiselle Sophie. Regardez bien, c'est une gomme. Ah oui? Bah, mademoiselle Sophie. Mais je vous assure, il l'avait dans la bouche. On peut pas manger une gomme quand même, c'est bizarre. À la sonnerie, vous me nettoirez toute la classe. Compris? Oh non, mais en plus je suis attendue pour mon cours de danse. Oui, et alors? C'est une punition. Youpi, la fin des cours, la journée est terminée. Enfin, pas pour tout le monde. Il y en a qui vont rester en caisse pour nettoyer. Mademoiselle Sophie, vous mangez 10 heures de colle. Quoi? Monsieur Swan, c'est inadmissible. C'est quoi? Ouais. Problème sans doute. Mais c'est pas grave. Les enfants, allez, c'est l'heure, on rentre en classe. Allez, on se dépêche. On se dépêche, les enfants. Allez plus vite. Allez, on s'installe. Allez, pas d'insolence, hein. Pas d'insolence. Allez, on s'installe. Léo, Les enfants. Non mais quand même. Bon, aujourd'hui c'est une journée extrêmement importante.
nous avons la visite de l'inspecteur d'académie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un inspecteur d'académie? C'est fini, oui. Bon, Swan. C'est un détective? Non, c'est pas du tout un détective. L'inspecteur d'académie vient inspecter l'école, la classe et plus précisément mon travail. Attends. Et dis-moi, c'est quelqu'un qui vient s'assurer que tout se passe bien, que l'enseignement est conforme à ce que nous demande l'académie. Qui vérifie? C'est quoi tout? Je peux pas! Impossible cet enfant! L'inspecteur va vérifier que tout se passe bien dans la classe, que je vous enseigne correctement ma matière! Un peu d'attention! Donc il va vérifier que tout se passe bien, que vous vous tenez bien, que vous écoutez bien, et surtout que mon enseignement est conforme à ce qu'attend l'académie. Pourriez-vous m'écouter 2 minutes? 2 hours later. Tenez-vous droit, enfin! N'êtes pas bossu! Qu'est-ce que c'est que tous ces dessins dans votre agenda? Vous m'effacez tout ça. Monsieur Swag, non, on ne dessine pas dans son agenda. Et regardez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette tignasse? Vous n'êtes même pas coiffé correctement. Allons, allons. Et allons, vous n'avez même pas fermé votre polo. Un peu de tenue, monsieur Swag. Oui, oui, bien sûr. Faites bien le malin. Prenez vos cahiers. Prenez vos cahiers du jour, mes enfants. Swan, ton cahier est ici. Allez. Vous prenez également le livre. Page 71. Néo, ton livre. Page 71. Allez. Un peu d'attention. Page 71. 71. Prenez votre livre en page 71. Nous démarrons l'exercice. Ouais. Il y a un jeu de la tomate, on va y jouer à la grille. Monsieur Swan, un petit peu d'attention, je vous prie. Monsieur Néo, avez-vous trouvé votre page? Monsieur Néo, je vous parle. 80... Non, j'ai dit page 71. Si vous écoutiez au lieu de bavarder, vous trouveriez plus facilement. Non, 71. Ok, 20. Monsieur Swan, page 71. Oh, mais c'est pas vrai. Page 71 immédiatement. Soyez un peu attentifs, sinon je distribue des heures de colle. Attention, hein. Nous prenons le premier chapitre. Est-ce que vous êtes bien concentrés? Non, monsieur Swan, page 71, nous avons dit, c'est la page d'avant. Oh non, mais c'est pas possible. Page 71. Monsieur Swan, un petit peu d'attention, dépêchez-vous. Avant que je me fâche. Allez, page 71. Bon, tant pis pour vous, nous démarrons ensemble. Monsieur Néo, paragraphe numéro 1, veuillez nous faire la lecture, je vous prie. Allez, on vous écoute. Ça va, Swan? Moi, ça va. Mais c'est inadmissible. Je vous ai dit de prendre votre paragraphe numéro 1. Mais c'est pas possible. Paragraphe numéro 1. Mais personne ne m'écoute, c'est impressionnant. Monsieur Swan, monsieur Néo, premier paragraphe. Deux heures de colle! Ah, bah cette fois-ci, vous m'avez écouté quand même! Et sinon, c'est toi? Je note les. Mais. Ah, mes armes! C'est pas possible! J'ai dit 2 heures de colle! Ouais, c'est pas mal! Est-ce que vous voulez 4 heures de colle à présent? Bon, on va peut-être se mettre au travail! Allez, nous avons dit chapitre 20. On n'écrit pas sur le livre! C'est inadmissible! 2 heures de colle supplémentaires! Donc, ça fait 2 heures de colle pour monsieur Néo. Et ça fait donc 2 heures de colle plus 2 heures de colle pour monsieur Swan. Ouais, Swan, t'as gagné des potes, hein? Oui, vous viendrez en retenue mercredi prochain. Bien joué. Les enfants, j'ai besoin de toute votre attention. L'inspecteur va certainement vous interroger sur les tables de multiplication. Monsieur Néo, arrêtez de bailler tout de suite. Nous allons donc. Monsieur Swan, nous allons donc reprendre les tables de multiplication. Allez, je vous écris quelques-unes au tableau et vous les résolvez sur votre cahier. Oh, mais nous embête avec ces tables, franchement. Ouais. Tu connais ces tables, Swan? Ça sert à rien, de toute façon. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Nous commençons par monsieur Néo. 6 fois 7, monsieur Néo. Bah, c'est évident, c'est 24. Oh, pas du tout, monsieur Swan. Est-ce que vous connaissez la réponse? 6 fois 7. Ah oui, bah 42. Oui, très bien, monsieur Swan. Monsieur Néo, ligne suivante. 8 fois 8. 46. Pas du tout, monsieur Swan. 8 fois 8. Vous êtes censé les savoir par cœur. Pas du tout. Pas du tout, vous ne connaissez pas vos tables. Dernière chance. Monsieur Néo, 9 x 4. 63. Oh, monsieur Swan, 9 x 4. 36. Oui, c'est très bien. Bon, les enfants, un petit peu de concentration quand même. L'inspecteur va arriver d'une minute à l'autre. 5 x 7, monsieur Néo. 53. Oh, pas du tout. Monsieur Swan, 5 x 7. Essayez de relever un peu le niveau, là. 53. Mais c'est incroyable, vous ne connaissez pas du tout vos tables de multiplication. De toute façon, l'école c'est nul et on s'en fiche de votre cours. Au coin, tout de suite, avec le bon énorme. Bon, par
comportement inadmissible. Jamais vu ça en 20 ans de carrière. Vraiment, mais c'est pas obligé, c'est un peu des schtroumpfs. Ça suffit. Écoute, Néo, il est énervant, c'est prof, hein. Alors là, trop, c'est trop. Ouais. Ah, bon, je suis d'accord. Elle est insupportable, c'est bon. Ouais, sérieux. Non, mais je vais partir son cours, là. Je vous entends. Silence. Mais madame, là, franchement, vous êtes beaucoup trop autoritaire. Je m'en fiche complètement de notre inspecteur. Mais il y en a marre, il y en a marre de cette autorité, il y en a marre. Mais vous vous croyez où? Ça suffit, ça suffit, je n'en veux plus de votre comportement. Silence. Swan, vous lui avez quoi? Ce qu'il méritait. Oh, maintenant, silence, restez à votre place, monsieur Néo. Sinon, je vous fais la même chose. Rassurez-vous, votre camarade va très bien. Mais madame, c'est un scandale là, je vais me plaindre à l'inspecteur. Non mais c'est n'importe quoi. Mais regardez en quoi vous avez transformé mon pote. Franchement. Comment ça, te plaindre à l'inspecteur? Je voudrais bien voir ça. C'est n'importe quoi, mais regardez, c'est un hamster maintenant. Et alors, il l'a mérité. Mais vous êtes folle, franchement. Pardon? Vous restez assis. Et voilà. Ah mais... Enfin un petit peu de calme dans cette classe. Mais elle est complètement folle. Elle m'a transformé en escargot. Swan, comment on va faire maintenant? Pour l'instant, je me suis mis à l'abri. C'est pas possible. Si je bouge, elle me brille direct. Bon, attends, j'ai envie de sortir. Je crois qu'en baissant par là, elle va quand même me marquer. Attends, je viens de oh. Enfin un petit peu de calme dans cette salle de classe. Ouh. Ah, je vais pouvoir me remettre sur mes corrections, ok. Mince! Déjà l'inspecteur? Oh, chut, 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 chut! Oh, mince, j'ai pas le temps d'y retransformer! Oh! Monsieur l'inspecteur! Vous êtes déjà là! Vous êtes bien en avance! Bonjour madame Machin, inspecteur Lafouine. Bonjour. Vous êtes prête pour votre évaluation? Oui, oui, certainement, vous êtes un tout petit peu en avance! Où sont vos élèves? Mes élèves! Ah bah tiens, oui ça, mes élèves. Ils sont en récréation, les chers petits. Il faut bien qu'ils s'oxygènent. Ils sont en récréation, ils seront là dans 10 minutes. Vous pouvez repasser. On doit commencer, madame Machin, vous êtes en retard. 10 minutes, je les appelle, monsieur Lafouine, ils arrivent immédiatement. Ça commence vraiment très très mal, madame Machin. Bon, je reviens dans 10 minutes, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Comment j'ai fait? Ils sont où? Mais il est où le hamster? Il est où? Il est passé où? Je t'en souviens. Petit, reviens. Monsieur Swan, où êtes-vous? Monsieur Swan. Monsieur Néo, vous êtes là, vous, c'est pas trop compliqué pour vous trouver. C'est pas rien, je suis prête. Monsieur Swan. Merci Swan, j'ai envie de y aller. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est Swan. Ah c'est bon. Oui, on est tous les deux retransformés. Et maintenant on va s'occuper de la prof. Allez Swan. Non. Oh, ça a marché. On l'a trop bien cette baguette. Bah ouais. En tout cas, elle a eu ce qu'elle méritait. Ouais, c'est vrai ça. Bien fait pour elle. Bien dit. Madame Machin, ça va? Et voilà, elle a son bureau. Bah alors madame Machin, son voisin de colle. Salut, ça va? Alors vous voulez qu'on vous mette le bonnet d'âne maintenant? On est bien là-dedans, on est détendu, hein. C'est confortable. Alors madame, si vous êtes, on vous écoute. Bonjour les enfants, inspecteur Lafouine. Où est votre enseignante? Bon, on sait pas. Elle s'est absentée. Oui, tous les jours, elle nous laisse comme ça. Mes pauvres enfants, c'est inadmissible, une enseignante pareille, vous avez bien du mérite. C'est de la supporter, hein, c'est assez compliqué, hein. Je ferai un rapport à l'académie, vous n'êtes pas prêts de la revoir. Oh yes, ah ouais, ouais. Au revoir madame Machin. Je m'appelle Monsieur Swan. Sérieux, encore un nouveau prof. Séance! Vous commencez pas à chuchoter! Et maintenant, sortez vos affaires! Ok, oui. Ça commence bien, c'est donc. Arrêtez de faire du bruit avec vos trousses! Et ça saute! Il y a des quelques pages déjà?
61. Bon, maintenant, rêvez les émotions. Interrogation dans 3 minutes. Oh. Ok. Ok. Monsieur, monsieur. Oui. J'ai très faim. Est-ce que je pourrais aller chercher à manger? Non, silence. Et rêvez les émotions. Sérieux, j'ai hyper faim. Bon, maintenant, silence. Et je vous rappelle qu'il y a interdit de manger en classe. J'ai super faim, mais comment je vais faire? Moi aussi j'ai faim. Oui. Pourquoi? La nourriture? C'est vrai? Silence! Arrêtez de chuchoter! T'as ramené des trucs que tu m'as même pas fait partager. Chacun son tour. C'est il y a longtemps. Super bon. Je sens l'odeur du chocolat. Je m'en suis. Il t'en reste un, allez, s'il te plaît. Monsieur, monsieur, elle mange en classe. Elle mange en classe, elle mange du chocolat. C'est ce qu'on va voir. Venez vite, monsieur. C'est vrai, regardez, regardez. Comment ça, madame Sophie mange en classe? Regardez, monsieur, c'est une sardine en chocolat. Regardez. Vous voyez bien? Qu'est-ce que c'est? J'avais raison. Attends une seconde. Un bouchon? Mais c'est un stylo, pas du chocolat. Vous mentez, monsieur Néo. Non, mais attendez, pauvre Néo. Vous mentez. Il fabule tout le temps, monsieur. Hein. Mais bon, c'est, on le sait quand même. Merci, madame. On le sait. Merci. Quoi? Merci. Mais. Et franchement, moi j'exige des excuses. Parce que. Mais... La prochaine fois, c'est à traîner ce gars. Ça parade comme ça à toi. Franchement, t'as pas honte? T'as pas honte? Mais c'est n'importe où. Mais c'est un stylo, regarde. C'est un stylo poisson. Tu manges du chocolat en une seconde. Pas du tout, mais n'importe quoi. C'est un la stylo poisson. La prochaine fois, ça a très mal se passer. Je vous jure que c'est vrai. Séance. Bon, maintenant, arrêtez de me poser des questions et révisez. Interrogation dans 20 minutes. Sérieux, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais tu veux que je te prête ton stylo poisson? Très drôle. Silence. Arrêtez de chuchoter et de parler. Monsieur, monsieur, elle mange en classe. Elle mange en classe, regardez. Elle mange des Pringles. Comment ça, elle mange des Pringles en classe? Tout le monde interdit de manger en classe. Qu'est-ce que vous cachez dans vos mains? Donne-moi ce paquet de Pringles tout de suite. Non, mais c'est pas... Regardez, monsieur, regardez. Ah, ah, vous voyez? Attendez. Boîte de Pringles. C'est pas du tout une boîte de Pringles. Attends, voilà. Alors, quand on sait pas de quoi on parle, on se tait. Pourquoi? Mais, attendez, monsieur, monsieur, regarde-moi. Tu vois, tu veux que je te montre? C'est une trousse. C'est une trousse en forme de boîte de Pringles et même mieux, t'as regarde. Il y a des Pringles dedans. À l'intérieur de la trousse, il y a un stylo poisson. Mais tu le veux? Tu le veux le stylo poisson? Dedans, je vais te le donner, le stylo poisson. Monsieur Léo, c'est une trousse. C'est juste une trousse. Mais monsieur, voilà. Je vous jure. Et voilà. Monsieur Léo, vous avez encore menti. Deux heures de colle. Non mais monsieur, monsieur, s'il vous plaît, non. Voilà. C'est mérité. Ah, deux heures de colle, ça fait plaisir. Monsieur, je vous jure que je l'ai vu manger des Pringles. Arrêtez. Maintenant, plus d'interruption. Interrogation écrite dans 10 minutes. Mais sérieux, je suis hyper dégoûté. Je te pensais vraiment pas comme ça là. Et t'abuses. Tu veux un petit Pringles, Néo? Très drôle. Arrête, non mais sérieux là. C'est sardine au chocolat. Mais c'est n'importe quoi là, franchement. Fallait partager la semaine dernière. Non mais t'es hyper méchant. Moi, j'étais pas aussi méchant. La semaine dernière. T'avais plein de Pringles et tout. Je les ai vus dans ton sac, t'as même pas voulu me donner une chips. Et alors? Et voilà, chacun son tour. C'est du passé. T'avais pas joué le mauvais chameau. Monsieur, monsieur, elle boit du Fanta en classe. Elle boit du Fanta. Comment ça? Pas du tout, 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 pas du tout. Non. Monsieur, il est encore en train de mentir, hein. C'est un menteur, de toute façon. Non, non, mais il raconte n'importe quoi. Monsieur Léo, c'est un mytho. C'est un mytho. Si vous mentez encore, ce sera 10 heures de colle. Non, non,
Non, mais c'est vrai, par contre. Non, non, mais il s'invente des choses. Regardez. Il s'invente des choses. Vous cassez quelque chose dans mes mains. Non, non, mais non, mais bah regardez, prenez-le, hein. C'est pas grave, hein. Mais c'est encore une trousse. Non, mais je vous jure, c'est une canette. Non, mais... Monsieur Léon, vous rentrez. Et voilà. 5 heures d'école. Ouais, minimum. Moi, j'aurais mis 8 heures, franchement. Encore, je suis très bon, 8 heures. 3 fois qu'il ment. 3 fois. Wow. Allez, vraiment mettre tous maintenant. Vas-y, c'est pas mal, Bobby. Eh ben non, t'as vu comme elle bouge. T'es sérieuse, mais... Oui. Elle est trop belle, à vous, t'es jaloux, elle est trop belle. Sérieux, non mais, c'est n'importe quoi. Une petite goutte. Arrête, tu fais l'innocent depuis tout à l'heure alors que c'est toi la principale coupable là, sérieux. Bon, maintenant, révisez votre leçon et silence. Hé, hey, t'avais une paille quoi? Monsieur, elle avait une paille. Que tu racontes? Elle avait une paille avec sa boisson. Oui, oui, comment regardez. Mais qu'est-ce que tu dis? Si, il y avait une paille. Quelle paille? Mais de quoi? Ah, mais tu parles de mon stylo? Stylo? Non, mais non, vous avez une paille, t'avais une paille. Oui, bah, il n'y a pas de problème. Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas une canette, mais une trousse. Hein, oui. Et je pense que ce à quoi Néo fait référence, c'est ça, la paille. Voilà, ouais, c'est une paille. Regarde, c'est un stylo. Quoi? C'est un stylo. Bah, c'est un stylo, en fait. C'est pas une vraie paille. Néo, vous mentez encore? C'est pas une vraie paille. 15 heures de colle. 15 heures de... Quoi? C'est bien. Mais c'est la vraie paille. T'auras le temps de réfléchir. Il faut rester une cartouche, t'es chose. Oh. T'auras le temps de réfléchir. Voilà, voilà. Et maintenant, révisez vos leçons. Monsieur, monsieur, elle a une sucette. Quoi encore, monsieur Léon? Monsieur, je vous jure que c'est vrai cette fois, elle a une sucette multicolore. Alors, cette fois-ci, si vous... Non mais monsieur, venez vite, encore, venez vite, regarde. Vous prenez les doigts et la classe. Mais quoi? Regarde, non mais... voici la sucette. Eh oui. Attends, ce n'est pas la matière d'une sucette. Voilà, enfin. C'est un stylo, monsieur, vous voulez que je vous l'ouvre? Voilà, comme ça, qu'est-ce que vous êtes intelligent. Attends, monsieur Swan. C'est un vrai stylo? Oui, oui, c'est un vrai stylo. Attendez, attendez, monsieur. Non, mais c'est un monsieur stylo. Monsieur Léon, vous mentez encore, vous allez nettoyer la classe. Ouais, très bien, très bien, tu vas nettoyer la classe. D'ailleurs, regarde, hop, il y a plein de miettes, voilà. Tu vas nettoyer, puis aussi tu nettoieras mon bureau, et puis aussi là derrière, et puis aussi il faut nettoyer. Non, 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 mais quoi, mais comment elle a fait? Mais je vous jure, c'est une sucette, monsieur. Bon, arrêtez de mentir, et n'oubliez pas, si vous voyez nos tâches. Okay. Bon, maintenant, je vous interroge. Monsieur Néo, de quel couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Sérieux? Mais c'est quoi la réponse? Madame Sophie? Bah, il est blanc, bien sûr. Bonne réponse. C'est vert. Voilà. Non, mais ça, c'est parce qu'il a faim, il a du mal à se concentrer. Bon, maintenant, reprenez vos tirs et révisez. Monsieur, monsieur, elle mange le chocolat en forme de pièce. Je vous jure, c'est vrai, venez vite. Si c'est faux. Elle mange le chocolat. Vous voyez et vous allez ranger les livres de la bibliothèque. Monsieur, monsieur, regardez, c'est vrai. Allez, montre ta pièce de monnaie là. Montrez-la. Y'a pas de problème, y'a pas de problème, voilà. Non mais, voilà. Chocolat. Non, mais monsieur, goûtez, goûtez, regardez. Non mais c'est pas du tout du chocolat. Goûtez. Ce n'est pas du tout du chocolat, ce sont de vraies pièces. Bien sûr. Ce sont les vraies pièces d'un euro. Bah oui, non, mais... c'est l'argent de mon déjeuner. Enfin, voilà. Vous mentez. Je vais encore. Non, non. Elle je m'en vais encore. Elle avait une pièce géante en chocolat, je suis sûr. Parce qu'en plus, il ment, puis je crois qu'il veut me voler mes sous de ma cantine. Il veut me voler mes sous de ma cantine. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est sûr. Séance. C'est pas vrai. Monsieur, monsieur, je vous jure que c'est vrai. Elle a mangé une pièce en chocolat énorme. Elle faisait cette taille, comme ça. Je vous jure que c'est vrai, monsieur, croyez-moi pour une fois. Je vous jure. Pour tous les autres aliments, c'était pareil. Elle s'est juste remplacée par des fournitures scolaires. C'était la vérité. Monsieur, croyez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Néo, avez-vous consulté un médecin dernièrement? Quoi, mais... parce qu'il y a une pièce en chocolat géante, je n'en ai jamais vu. Oh, mais monsieur, je vous jure que c'est vrai. Oh, c'est la vérité, pourtant. Bon, je vais convoquer vos parents. Quoi, mais... monsieur, mais... quoi, mais... ah, ça y est. Il y en a qui se dépêchent de rentrer chez eux pour annoncer à leurs parents leurs heures de colle.
pour annoncer à leurs parents qu'ils sont convoqués par le professeur. Enfin, franchement, monsieur Swan, je comprends que ça soit difficile pour vous avec des élèves pareils, hein. Franchement, obligé de lui mettre autant d'heures de colle. Enfin, encore une fois, monsieur Swan, je trouve que vous avez beaucoup, beaucoup de mérite, parce qu'avec des élèves comme ça... Ah, attendez, mais... Attends, mais il est où mon sac? C'est une blague, là. J'ai perdu mon sac. Non, mais... Mais mon sac, il était là. Mais... Non, mais... Mais c'est fou. Mais mon sac... Attends, mais j'y crois pas, je me suis fait voler mon sac. Oh non, il y a toujours mes affaires dedans. Puis mon goûter. Oh non. Les Pringles. Mmh. Ils sont enfin là. Oh yes, enfin. Les bons Pringles, je vais me régaler. Mmh. Coucou à tous. Merci à Silverlit et à Kitty Cherise d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis votre nouvelle institutrice, Mademoiselle Sophie. Bonjour Mademoiselle Sophie. Enchantée. Alors je ne vous connais pas encore, donc nous allons prendre le temps d'apprendre à nous connaître. Toi d'abord, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Swan. Enchantée Swan. Et tu as quel âge? J'ai 8 ans. Très bien. Et quel est ton animal préféré? Le chat. Bien. Je vais noter toutes ces précieuses informations sur toi, petit Swan. Donc... Swan, 8 ans, donc installé au premier rang de la classe, et animal préféré, le chat. Alors, voilà, c'est tout bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouvel. Il dit qu'il adore chanter et danser. Bien, nous allons donc faire connaissance. Comment t'appelles-tu? Il se moque de moi, non? Non. Je recommence. Comment t'appelles-tu? Il recommence à chanter. Il va y avoir un problème de discipline, mon petit ami. Hein. Allez, on s'installe comme ça. Mais il siffle en classe. Bien, je vais noter l'essentiel. Swan, je n'ai pas bien compris le prénom de ton nouveau camarade. Alors, son nom de famille, c'est Tilly Fury, et son prénom, c'est Mama Fury. Très bien, je vais noter ça. Alors, nom de famille, Tilly Fury. Non, non, pas de bruit, hein, pas de bruit. Prénom, Mama Fury. Il faut arrêter de chanter en classe, hein. Emplacement, mais on ne siffle pas non plus, hein. Emplacement, premier rang, partie droite. Ouh, cet élève est très bruyant. Très bruyant. Élève vêtu d'un costume vert. Qui chante beaucoup avec un nez en forme de cœur. Ça suffit. Ah, mais c'est pas possible. Il chante, il siffle, il rigole. Je vais distribuer des heures de colle, hein, c'est sûr. Silence. Quoi? Ça suffit maintenant. Deux heures de colle. Deux heures de colle pour Tiny Furies. Ça commence bien, tiens. Vous avez fini maintenant? Ah, quand même, avec deux heures de colle, ça va mieux, hein. Bon, un peu de silence. Bon, je vais finir de noter. Robe de fourrure verte avec des pois. Petit nez en forme de cœur. Ça, c'est pour pouvoir vous identifier les uns après les autres. Oreille un peu ton... Qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore un nouvel élève. Comment ça, encore un nouvel élève? Mais c'est quoi cette classe où les nouveaux élèves arrivent comme ça, sans frapper, sans rien? Voyons voir, un nouvel élève. Mm-hmm. Très étrange. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, bah, moi, c'est un élève qui semble joyeux. Comment t'appelles-tu? Oh, non, c'est pas... Encore un élève qui chante. Non, 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 là, on ne chante pas. Comment t'appelles-tu? Quoi?
Tu as compris quelque chose? Alors oui, ils ont le même prénom et le même nom de famille. C'est pareil? Oui. C'est aussi Tiny Fury's Mama Fury? Oui, c'est ça. Je vais noter ceci, c'est quand même très très étrange. Hein. Donc nom de famille, Tiny Fury's, pas de bruit, pas de bruit. Prénom, Mama Fury's. Arrêtez de faire du bruit les enfants, je me concentre. Ah, arrêtez de rigoler comme ça. Voyons voir, couleur orange avec des pois rouges installés au deuxième rang, vous faites trop de bruit. Non, il faut encore que je distribue des... Heures de colle, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouvel élève. Encore un nouvel élève, mais il pleut des nouveaux élèves aujourd'hui. L'inspecteur ne m'avait pas du tout prévenu que j'aurais des nouveaux élèves comme ça qui arriveraient toute la matinée, hein. Bon, nous allons tenter d'établir un contact. Au moins, ce nouvel élève a une fourrure d'une couleur formidable. Encore un élève qui chante. Oh, bon. Son famille est Tiny Furies et oui. S'appelle Mama's Furies. Encore un Tiny Furies, mais on a des triplés ou quoi? Ils sont frères. D'accord. Quel âge as-tu? Je crois qu'il n'a pas compris ma question. Quel âge as-tu? Il a dit 7 ans. Ah bon? T'es sûre? J'ai pas bien compris moi. 7 ans. Quel est ton animal préféré? Il a dit le kangourou. Le kangourou. Bien. Très étrange. Bon, je vais noter tout ça. Non, moi, ce sont des élèves pleins de bonne humeur, hein. Bien. Nous allons noter ces quelques indications, même s'il me semble que ça manque un petit peu de clarté. Hein. Alors, Tiny Furies, suivant. Prénom Mama Furies, ça n'avait pas beaucoup de différence. Couleur de la fourrure, rose. Un joli rose d'ailleurs. Forme du nez, petit cœur. Silence, pas de bruit, pas de bruit, j'ai dit. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux noter de deuxième rang? Pas de bruit, attention. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ce sont de nouveaux élèves. Encore? Oui. Il me semble très bruyant cette fois. Très très bruyant. Approchez-vous un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des Tiny Furies. Encore? Leur prénom c'est Tiny Furies. Ils parlent beaucoup et en plus ils sifflent. Okay. Et ils rigolent en plus. Mais c'est fini, oui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces élèves? Ça me semble très très étrange, tous ces nouveaux élèves. Je vais rédiger une note de service. Je vais me plaindre à l'inspection. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ces nouveaux élèves qui débarquent là, qui ont des attitudes très étranges. Je vais faire une note tout de suite. Je l'enverrai au rectorat. Parce que vraiment, tout ceci me semble étrange. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans cette classe. Cher monsieur l'inspecteur d'académie, silence les enfants! Je suis professeure remplaçante des écoles. Je m'appelle Mademoiselle Sophie. Et silence, je constate ce jour... Ça suffit les enfants. Je constate ce jour dans ma classe de nouveaux élèves extrêmement perturbateurs auxquels je me vois déjà contrainte de... Ça suffit de mettre des heures de colle. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bal... Ça. C'est quoi tout ça? Pourquoi il y en a autant? Encore de nouveaux élèves. Je... Oh là là, mais quel raffut. J'envoie ma note immédiatement à l'académie. Restez sage, je reviens dans quelques instants. Later. Bien, j'ai posté ma... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'ai ouvert la présentation. Vraiment, c'est pas du tout une obligation. Hein. Non, mais je suis là pour rester à sa classe. Hein. C'est vraiment une nécessité, tout ça, sur mon bureau. C'est très brillant. Attendez, madame, il reste bien. Encore? Encore un? Oh là là, mais c'est l'invasion. Il chante encore? Mais qu'est-ce que vous lui faites sur le ventre là? J'ai le chatouille. Il recommence à chanter, il me semble. Hein.
Je vais tenter d'établir un contact. Quel est ton nom? C'est fini, oui? Oui. Mais, vous avez fini de rire? C'est pas vrai. Quelle indiscipline, vraiment. Oh! Comment vous appelez-vous? Une danse maintenant. Mais, c'est impressionnant. Ah, enfin un peu de silence. Je disais donc, comment vous... Mais, c'est fini, oui? Mais c'est pas vrai ça quand c'est pas lancé l'autre. Mais, non mais c'est... Mais, silence! Ah, c'est du bien quand même. J'ai l'impression que vos nouveaux camarades de classe vous plaisent bien, vous, hein? Bon, c'est fini, oui. Reprenons. Mais c'est pas possible. Quel est votre nom? J'ai rien compris. Quel est votre nom? Mais maintenant, je danse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à danser là tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se parlent entre eux maintenant. Quand la maman Fleurisse parle, les petits lui répondent. J'ai remarqué. Très bizarre cette histoire. Silence! Mais personne ne m'écoute dans cette classe! Ils chantent, ils dansent, ils font du bruit, ils se parlent entre eux! Mais qu'est-ce que c'est que ces élèves? Les gens peuvent plus en parler de ce bruit? Non, vraiment, ça ne fait pas du tout. Non, mais non, non, ne le fais pas! Non, non, ça ne peut pas être possible! Ça ne peut pas être possible! Il y a un esprit.